Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo que je vous avais annoncée, que je vous avais promise, mais j'ai pris du retard pour la réaliser. Nous allons donc procéder à un tirage pour nos amis suisses. Voir un petit peu le devenir de cette situation actuelle que nous traversons au niveau mondial, spécifiquement pour la Suisse. Alors, je tiens à vous préciser que j'ai le même degré d'inculture sur la politique suisse, sur tout ce qui se passe au niveau cantonal. Je ne sais absolument rien. Là, le but, c'est de faire un tirage vraiment purement symbolique pour voir un peu l'évolution de la situation à travers, donc, la Suisse en règle générale. Et pour cela, nous allons prendre donc l'oracle Symbolon que vous aimez particulièrement et moi aussi, c'est pourquoi je l'utilise. Et comme nous l'avons fait pour la Belgique, eh bien, nous allons nous affranchir de toute frontière temporelle. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage pour voir l'évolution, peut-être même la résolution pour la Suisse. Par rapport à la soupe, par rapport à tous ces tests, à toutes ces choses, par rapport à cette politique générale. Alors, regardons pour la Suisse ce qui ressort. Devenir de la crise par rapport à la Suisse. Qu'est-ce que l'on a ici? Pour la Suisse. Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, la coupe pour la Suisse. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ben, nous voyons ici une scission, un schisme. Alors, est-ce que ça fait référence à certains cantons qui prendrait une certaine forme d'indépendance, qui n'aurait pas la même façon de voir les choses. En tout cas, on voit un couple ici royal, hein, avec la femme d'un côté et puis l'homme ou le prince de l'autre côté, séparés effectivement ici par un bras d'océan ou par un fleuve. Ça évoque, semble-t-il, une sorte de schisme, une sorte de division. Voyons l'autre pendant. Et l'autre pendant, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, et nous avons ici, voyez, des oblations, un maître et son apprenti, comme si effectivement quelque chose était en préparation. Donc, c'est assez parlant, je dirais déjà ici, avec un schisme d'un côté, mais aussi une certaine stabilité, une certaine constance ici. Regardons sans plus attendre ce qui sort. Nous allons le faire en 9 cartes. Alors, devenir de la crise pour la Suisse. 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 Pour la Suisse. Voilà, je range le jeu. Je vais le disposer que vous puissiez le voir. Alors, pour la Suisse, ici, partie basse, pour la Suisse. Alors, qu'est-ce qui ressort? Je le monte bien, je les approcherai pour que vous puissiez le voir. Alors, la première chose, donc on a vu déjà cette coupe, hein, je reviens dessus, sur une certaine scission, mais aussi une certaine constance ici entre le maître et l'apprenti. Ça peut traduire pas mal de choses, une certaine éthique, certaines valeurs, bien évidemment, bah, qui sont quand même le fondement, apparemment, de ce pays. Donc, une sorte de dichotomie assez marquée. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, bah nous avons ici, aux surprises, hein, ça indique évidemment un gouvernement
corrompue à tous les niveaux, bien évidemment, puisqu'on voit effectivement un couple ici dominé par une bête, par des choses qui sont pas très sympathiques. Rien de très surprenant, c'est malheureusement mondial, et comme je l'ai annoncé à travers plusieurs vidéos, bien évidemment ce que nous traversons au niveau mondial, c'est une guerre spirituelle, ni plus ni moins. Donc on voit effectivement des malfaisants, des dirigeants, des nobles ici, sous influence d'une bête, j'ai pas besoin d'en dire plus ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, bien sûr, amis suisses, vous êtes réputés pour la banque, pour l'argent, et ici, évidemment, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, un banquier ou quelqu'un qui fait les comptes. Alors, chose intéressante ici, il y a quand même des barreaux, comme si la personne, vous voyez, était dans une cellule, était un petit peu emprisonnée. Alors, ça peut annoncer quelque chose en relation, effectivement, avec l'argent, avec les banques. Peut-être des malversations, peut-être du blanchiment d'argent, que sais-je. En tout cas ici, et c'est sur la partie vraiment spirituelle, c'est la partie haute du jeu, eh bien il va y avoir très certainement des banquiers arrêtés ou des faillites de banques ou des liens capitalistiques qui vont, si vous voulez, être mis en exergue, mis en avant. Et juste à côté des malfaisants. Donc comme si les malfaisants étaient financés de façon occulte ou de façon directe. Mais ici, on voit bien que les banques, il y a quelque chose en préparation. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ça, c'est très intéressant. Nous avons ici la licorne, une licorne qui est en train effectivement de s'abreuver, mais qui est chassée également, qui est chassée par cet homme, par ces forces-là. Et on sent bien ce que l'on vit partout dans le monde. La licorne, c'est quand même une certaine pureté. C'est une dimension extrêmement spirituelle. Ça n'est pas une chimère. C'est un animal extrêmement symbolique qui dérive évidemment du cheval. Le cheval, c'est un animal psychopompe qui fait monter les âmes. Bon, je ne vais pas étaler certaines choses ici. Vous comprendrez entre les lignes. Mais ici, cette licorne qui s'abreuve, donc c'est la pureté. Eh bien, elle est chassée, elle est combattue. Et cet homme-là, évidemment, assez proche du gouvernement, donc ça, c'est très certainement les forces de l'ordre, eh bien, qui veulent casser, briser, abîmer une certaine tradition, une certaine pureté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, cette carte ressort très souvent un petit peu partout. C'est une femme qui hurle dans un cimetière. C'est malheureusement, les amis, beaucoup de morts. Beaucoup de choses très tristes, bien évidemment, sans doute en raison des consommateurs de soupe. Alors, apparemment ici, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'obligation à boire la soupe. Pour l'instant, pas du tout. Et je pense, on va voir, je n'ai pas encore tout découvert, mais je pense qu'il n'y aura pas dans votre pays, effectivement, et c'est tant mieux, cette obligation. En revanche, il y a eu malheureusement des personnes qui se sont fait avoir, qui ont consommé cette soupe aux orties très piquante. Et bien évidemment, dans votre pays aussi, vous n'échapperez pas à une vague, effectivement, malheureusement, de malheur et de personnes blessées, abîmées et mortes. Alors, au centre de la carte ici, nous avons Saint François d'Assise, le saint qui préside à la vie animale, à la vie aussi agricole, à la vie, dans votre cas, je pense, cantonale. Alors ici, c'est la carte centrale, c'est la carte pivot pour la Suisse. Eh bien, ça, on avait vu dans la coupe qu'il y avait une certaine indépendance, comme on avait vu, ou un craquellement. Et là, je pense que c'est vraiment un recentrage sur peut-être la politique locale, les décisions locales, donc les cantons qui sont peut-être agricoles ou agraires. Il y a ici une protection de ce Saint François d'Assise, ici, qui semble animer, fédérer, rassembler les cantons. C'est-à-dire que les cantons, je pense, vont gagner en puissance, gagner en indépendance et pouvoir, en quelque sorte, servir de rempart, protéger un petit peu les choses qui viennent. Donc ça, c'est plutôt très bien. C'est-à-dire que le système politique suisse que j'aimerais voir en France, eh bien ici, il est plébiscité, il est mis en avant. Donc il y a beaucoup de concertation, beaucoup d'autonomie aussi. Chacun va valider, en quelque sorte, ses choix.
Ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons bah, effectivement un couple de paysans, donc on reste toujours dans cette dominante, j'allais dire cantonale, mais qui coupe du bois. Alors, quand on coupe du bois, bah, c'est pour annoncer aussi que l'hiver ou l'automne sera très chaud. Donc on voit effectivement bah, des hommes du peuple qui préparent en quelque sorte soit des actions, soit différentes choses, parce que l'hiver effectivement sera rude. Donc ils prévoient du bois pour alimenter leur poêle ou leur cheminée. Donc il y a des préparatifs, il y a des choses ici, et ça je pense que ça fait un lien très fort avec, vous voyez, le canton et tout ça, comme s'il allait y avoir pas mal d'initiatives personnelles, peut-être de sécession, de choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui se préparent. Il y a beaucoup de mouvements, de fédérations, de choses qui se regroupent et qui préparent quelque chose de très positif. Et sur la partie basse terrestre, qu'est-ce que nous avons magnifique ici? Alors ça, bah, c'est une intervention évidemment divine, une intervention céleste. Là, c'est le retour effectivement à quelque chose de plus normal. Alors vous voyez, ici aussi, c'est l'annonce de traitement. De traitement, alors c'est assez rapide, hein, c'est une lame qui est assez rapide ici, et je pense que bah, bien évidemment il va y avoir une intervention divine, alors qui ne sera peut-être pas palpable, hein, en tout cas pour certaines ou certains d'entre vous. En tout cas ici c'est une protection et c'est une solution, hein, dans le sens liquide du terme, c'est l'arrivée de traitement. Comme si les laboratoires allaient en quelque sorte laisser peut-être tomber la seringue, la soupe, pour apporter autre chose. Et ici, c'est donc une solution, hein, c'est vraiment liquide qui apparaît, c'est vraiment dans l'apaisement et c'est très blanc, très positif. Donc je pense qu'on va là vers l'apparition de traitements alternatifs. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Ben effectivement, des blessés. Alors, évidemment, les blessés en question ici. Alors, traditionnellement, ce costume-là, c'est le costume d'Hermès, hein, le messager des dieux, qui est blessé, qui ne peut plus avancer, qui est entravé. Alors, ça, évidemment, ben, c'est la résultante, évidemment, de la soupe. Hein. Inutile de le dire, mais voyez, ça côte à côte, comme si on allait revenir vraiment sur des traitements, voyez, préventifs. Donc, pour soigner, pour anticiper les choses, plutôt que de pousser, comme chez nous en France, à une obligation d'avaler la soupe. Et la dernière, ici. Alors, qui peut effectivement faire peur, eh bien, ici, vous voyez, on ressent, on a commencé avec les malfaisants, ici, que je reprends, hein, le couple de malfaisants, et ici, eh bien, c'est un malfaisant qui est désemparé, qui a perdu. Qui a perdu la partie. Donc c'est un tirage extrêmement positif pour la Suisse. Il n'y a toujours aucune obligation à prendre la soupe, donc je pense que le gouvernement suisse, en règle générale, ne va pas effectivement aller dans cette hystérie collective comme nous avons chez vous, mais qu'il va y avoir des problèmes avec les banques, des problèmes économiques et financiers, sans doute avec des informations qui vont sortir, des collusions, des intérêts croisés, des mises en arrestation. Et ici, c'est une mise en arrestation, c'est-à-dire que les malfaisants, ici, sont stoppés. Ils ne peuvent plus agir, ils ne peuvent plus continuer leur narratif mortifère. Voilà les amis, donc c'est un tirage, voyez, qui est très très positif. J'aimerais avoir un tirage, j'allais dire, de cette qualité, de cette rondeur, avec une intervention ici divine très favorable. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de Schtroumpf. N'hésitez surtout pas à faire tourner, à faire suivre cette vidéo en Suisse ou ailleurs. Et puis, je reste à votre entière disposition tout l'été. Si vous souhaitez avoir des consultations personnalisées, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas, je reste là tout l'été. Donc, si vous avez effectivement besoin d'éclaircissement, d'aide, de précision, n'hésitez pas à me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.